y a un peu plus d'un an, le 4 juillet 2015, les coteaux, maisons et caves de Champagne, ainsi que les climats de Bourgogne, étaient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec les vignes de Saint-Émilion dans le Bordelais, inscrites elles en 1999, ce sont trois des plus grandes régions viticoles françaises qui ont été honorées. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le prestigieux château d'Yquem, considéré comme le plus grand vin liquoreux au monde. Yquem, voilà un nom qui fait rêver, tout comme Pétrus et Margaux, ses voisins bordelais, Romanée Conti, le roi Claude Vougeot pour le vignoble de Bourgogne, ou encore Krug, veuve Cliquot, Salon pour la Champagne. Aujourd'hui, c'est leur histoire que nous avons décidé de vous raconter, une histoire dans laquelle s'entremêlent des aventures humaines exceptionnelles, un savoir-faire ancestral, un art de vivre à la française, un patrimoine architectural hors du commun. Car derrière ces étiquettes et ces nectars de légende se cachent des trésors uniques au monde, fruit de notre culture et de notre histoire. Ces trésors, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui les cultivent et les préservent. Grâce à eux, nous avons découvert un patrimoine viticole aussi riche que magique. Elles font rayonner la France à l'étranger depuis des siècles. Les maisons de champagne les plus prestigieuses nous ont ouvert leurs portes, mais aussi délivré leurs secrets. Il n'y a pas un autre domaine dans le monde, une autre propriété, un autre château qui n'a produit que 37 fois du vin en 100 ans. À plusieurs dizaines de mètres sous terre, nous avons eu rendez-vous avec la grande histoire et découvert de véritables chefs-d'œuvre. À Bordeaux, nous avons exhumé le classement original des grands vins du Médoc de 1855 et eu le privilège de visiter tous les premiers crus classés. Pour la première fois, des caméras de télévision ont été autorisées à pénétrer au cœur du mythique et vénéré domaine de Pomerol, Pétrus. Je pense que ma sensibilité, c'est la qualité la plus importante que j'ai peut-être transmise à mes fils. Nous avons aussi rencontré Michel Jack, le propriétaire attachant d'un patrimoine vertigineux, une collection de 40 000 flacons d'exception. Il est vrai que là, j'ai un petit peu d'émotion. Vous avez ici la vitrine de ma famille. Dans les coins et recoins du légendaire château du Clos de Vougeot, nous avons effectué un véritable voyage dans le temps. Tout à l'heure, je parlais de magie. Eh bien, nous y sommes, en plein dans la magie, puisque nous sommes devant le pressoir construit en 1477. Enfin, nous participerons avec les artisans du château d'Yquem à l'élaboration très particulière du plus illustre des vins liquoreux. Première halte dans un lieu aussi symbolique que prestigieux, le palais de l'Élysée. Nous avons rencontré Virginie Routis, la première sommelière de la résidence du chef de l'État. Elle nous a ouvert exceptionnellement les portes d'une des caves les plus secrètes et les plus renommées au monde, qui conserve pas moins de 12 000 bouteilles. Très peu de personnes ont accès à la cave, hein. C'est l'intendant et moi-même. La première fois qu'on rentre dans la cave d'Élysée, un peu sans voix. Je connaissais bien sûr les grandes étiquettes qui y sont. Les plus belles étiquettes, les plus beaux flacons y sommeillent. Alors cette bouteille, c'est la bouteille la plus vieille de la cave, c'est le château Riossec 1906. Par contre, l'étiquette est un peu abîmée, mais mon prédécesseur a réussi à,
Vous allez l'ouvrir un jour, celle-ci ? Alors celle-ci, non, normalement, elle ne sera pas ouverte, mis à part s'il y a une demande du président de la République. Lui seul peut exiger De ces bouteilles-là, oui, en effet. La seule personne qui peut exiger dans l'ouverture, c'est nous. Toutes les régions de France y sont bien sûr représentées, avec néanmoins une domination des vins de Bordeaux, de Bourgogne et de Champagne. Ce qui se comprend, c'est quand même représenter la France, mais moi j'ai vraiment travaillé sur les autres régions. Représenter la France, c'est l'une des missions de Virginie lors des dîners officiels. Ses meilleurs ambassadeurs, ce sont ses bouteilles. Tous les vins, alors même sur un dîner d'État, on va ouvrir énormément de vins, tous les vins sont goûtés. On choisit le vin en fonction des personnalités, bien sûr, du protocole. Sur un dîner d'État, suivant le mai, on peut aller autant sur un Grand Bourgogne ou un Grand Sauternes, suivant les accords de notre chef. Et après, c'est également les quantités, parce qu'un dîner d'État, il y a quand même 300 convives en général, donc il faut pouvoir avoir le nombre de bouteilles qui suivent. Pour 300 convives, on va sortir une trentaine de vins blancs, une quarantaine de vins rouges et en champagne, pareil, une quarantaine. Parmi ses plus beaux souvenirs, la réception à l'Élysée de la reine d'Angleterre à l'occasion des 70 ans du débarquement de Normandie. Là, vraiment, on avait servi des très, très, très beaux vins. C'était Château Yquem 97. Et après, je crois qu'on était sur un Margaux. On avait également, pour le clin d'œil pour la reine, servi du Winston Churchill en champagne. Parce que voilà, c'est le champagne vraiment emblématique de la reine. Ce soir-là, Virginie avait servi des vins de légende pour représenter la France aux yeux du monde entier. Je pense que c'est vraiment, le vin c'est emblématique et on a cette chance en France d'avoir vraiment le patrimoine qu'il faut. Ce patrimoine du vignoble français, nous l'avons arpenté à la recherche de ses plus beaux trésors. La cave de l'Élysée refermée, nous avons poussé les portes des châteaux et domaines les plus prestigieux, à commencer par ceux de la Champagne. 35 000 hectares de vignes, 320 villages, un patrimoine architectural unique. Des noms de légende. Le champagne, symbole de fête et d'amour, fait rêver et saliver les papilles du monde entier. Mais d'où vient-il, ce champagne ? Commençons par tordre le cou à la légende. Non, l'illustre Dom Pérignon n'en est pas l'inventeur. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, la Champagne produit des vins rouges à partir de raisins rouges et des vins blancs à partir de raisins blancs, mais de piètre qualité. Alors pour satisfaire et élargir leur clientèle, quelques champenois visionnaires et ingénieux, dont l'abbé Dom Pérignon, conçoivent un vin totalement inédit et de grande qualité. Ils assemblent plusieurs raisins issus de différents cépages, de différents crus et de différentes années. Ils affinent sa vinification pour maîtriser l'effervescence naturelle. Ils se fournissent en flacons mieux adaptés à la prise de mousse et fabriquent des bouchons hermétiques. Bref, ils inventent un vin nouveau qui va devenir l'un des fleurons les plus éclatants de la France à l'étranger. Nous avons eu le privilège de pénétrer dans l'une des maisons de champagne les plus luxueuses, mais aussi les plus secrètes de Reims, la Maison Krug. Krug, quatre lettres mythiques, un vin considéré comme la Rolls-Royce du champagne. Un vin qui, année après année, a la singularité d'être identique à celui imaginé par le fondateur de la maison il y a plus de 170 ans. L'une de ses artisans, c'est Julie Caville. Ancienne publicitaire, elle a tout quitté il y a 15 ans pour accomplir son rêve, devenir œnologue.
Ouais, Maison Crook, c'était quelque chose d'un peu inaccessible pour, en plus, quelqu'un qui appartient à l'œnologie. C'était vraiment le Graal, travailler chez Crook. J'avais cette image de qualité sans compromis. Quand on regarde les notes qui sont attribuées depuis 20 ans, c'est toujours des notes extraordinaires, extraordinaires. Et en moi-même, je me dis, mais ça y est, c'est incroyable. Ça fait 4 ans que je rêve de ça. J'avais même pas imaginé que ça puisse se passer ici. J'y suis. Œnologue depuis maintenant 10 ans, pas un des recoins de la maison Krug n'a de secret pour elle. Julie nous invite à découvrir la chambre forte. Et nous voici dans l'âme de la maison. Le cuvier des vins de réserve. Alors ici, on a tout ce qui fait l'individualité de la maison. On est dans un lieu vraiment d'exception, qui pour nous est vraiment notre trésor pour l'équipe œnologie, puisqu'ici, vous voyez qu'on a des petits contenants qui ont été réalisés sur mesure pour épouser parfaitement la forme de la voûte. Et nous conservons les vins issus de 15, 16, 17 années de vendanges différentes. Donc un vin, il peut rester ici, dans cette bibliothèque finalement de vins de réserve, une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ce sont ces précieux vins de réserve, associés aux vins issus de l'année en cours, qui permettront de retrouver le goût authentique déterminé par le fondateur Joseph Krug en 1843. Il est 11h, l'heure pour Julie de déguster tous ces vins qui, une fois choisis et assemblés, élaboreront le champagne grande cuvée. Tiens, voilà Georges. Ça va, Georges ? Honnêtement, ce qui m'a frappé quand je suis arrivée à la maison, c'est le nombre de métiers, de gestes, de personnes qui sont nécessaires pour élaborer nos cuvées chez Krug. Il y a ceux qui sont experts des fûts, ceux qui les visitent, ceux qui les sentent, ceux qui les entonnent, ceux qui les marquent au pochoir, ceux qui les rangent traditionnellement avec des cales, qui a un savoir-faire qui prend plus d'une année. Et toutes ces personnes-là ne touchent pas forcément le vin, mais sont totalement indispensables pour réaliser et élaborer nos cuvées. Exceptionnellement, Julie nous a autorisé à assister à ce comité de dégustation, étape cruciale avant l'assemblage. Alors voilà, c'est aussi là que ça se passe. Comme tous les jours à 11h, le comité de dégustation de la maison Krug se réunit ici pour déguster 15 échantillons. Alors vos émeux, c'est notre parcelle qu'on a à l'entrée du Ménil-sur-Auger. Au total, Julie et le comité devront choisir parmi les 150 vins de réserve et les 200 vins issus de l'année en cours pour recréer le goût originel de Krug. Tous ces vins étant dégustés 2 à 3 fois, vous faites le calcul, plus le nombre de dégustateurs autour de la table. En général, on traite à peu près 4000 notes de dégustation pour arriver à l'assemblage de la grande cuvée. La grande cuvée, elle est recréée toujours avec 10, 11, 12, 13 années de vendanges différentes, entre 150 et 200 parcelles différentes. Et on dit qu'il faut à peu près 20 ans pour élaborer une seule bouteille de Krug grande cuvée. 20 ans pour élaborer une seule bouteille, entre 150 et 200 vins différents en un seul flacon. Une patience et une exigence qui justifient le caractère et le prix unique de ce champagne. Alors Maggie, aujourd'hui, c'est Éric Lebel, le chef de cave, qui dirige comme tous les jours la séance. Aujourd'hui, sont présents les membres du pôle œnologie, mais aussi les dirigeants de la maison, Olivier Krug et Margaret Henriquez. Voilà, donc tout le monde est prêt, les iPads sont calés. C'est parti, c'est bon. Excellent. Quelle note tu mets un peu ? Écoute, je mets 14 là. D'accord. Julie ? Moi, je vais être plus généreuse, je vais lui mettre un bon 16. Je trouve qu'il a une élégance, une finesse, un port de tête, il est rassé. Donc, dans l'assemblage, ça va vraiment élever ça va relever le menton de ces chardonnays. Ces notes de dégustation, Julie les sauvegarde sur sa tablette. Éric, quant à lui,
les conserve toujours dans son grand livre noir. Il en possède des dizaines et perpétue ainsi la tradition du fondateur Joseph Krug. Ouais, il serait content, je pense, de voir notre Black Book, Joseph. Il serait content de voir que cette notion d'individualité elle perdure toujours et que la maison existe encore qu'à travers ça. Il serait content de voir la version digitale. Ouais, c'est sûr aussi. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a conservé... Olivier Krug, sixième génération de la famille, gardien de la maison, nous entraîne dans un salon privé qui abrite le livre originel de Joseph Krug. Un précieux carnet conservé dans son écrin. À la fin des années 70, mon grand-père a retrouvé ce carnet qui avait été rangé dans un coffre par son propre grand-père presque un siècle plus tôt. Et quand je suis rentré dans la maison en 89, c'est une des premières choses dont il m'a parlé. Il m'a dit « Écoute Olivier, un jour il faudra que tu lises ce carnet ». Et j'ai mis 25 ans à réouvrir ce carnet. Et on a fait l'exercice collectivement il y a 6 ou 7 ans. Et on est tous tombés de notre chaise. Et le premier à être surpris, c'était peut-être Éric Lebel, le chef de CAF. Parce que quand on lit ce carnet en commun, il découvre de façon très très claire, très précise, les gestes que lui fait tous les jours, qu'il a appris de mon papa, des anciens, etc. 170 ans plus tard, il est clair que Krug correspond au rêve que Joseph avait en tête quand il a tout quitté à l'âge de 42 ans pour créer un type de champagne qui n'existait pas. Le véritable trésor de la maison, il est probablement là, dans cette transmission, cet échange entre les générations et les métiers. Aujourd'hui, Julie en est l'une des plus authentiques héritières. Vous voyez ici, vous avez des années et des années de vendanges. L'idée est de transmettre justement ça aux futures générations. Donc on est là au milieu, il faut rester très très, avec beaucoup, il faut avoir beaucoup d'humilité à l'œnologie, puisqu'on est vraiment ces passeurs, ce témoin entre ce devoir de mémoire du patrimoine de la maison et puis ce devoir aussi de transmission pour les futures générations. Dénicher ces trésors du vignoble de Champagne, c'est aller à la rencontre de passionnés, de véritables artisans d'art qui mettent leur savoir-faire et leur excellence au service de notre patrimoine culturel. Mais c'est aussi voyager à travers les siècles et les continents. Son nom évoque un certain art de vivre à la française. Il est le deuxième champagne le plus vendu dans le monde et illumine depuis bientôt 250 ans les réceptions les plus fastueuses, le champagne Veuve Clicquot. Nous avons pu accéder aux arcanes de la maison pour découvrir comment ce champagne a représenté la France aux quatre coins de la planète pendant plus de deux siècles. Fabienne Moreau, en charge du patrimoine de la maison, nous a ouvert les portes des archives. On est dans un lieu exceptionnel, puisque c'est là qu'on conserve l'ensemble des archives de la maison Veuve Clicquot, depuis la date de la fondation, en 1772, jusqu'à 1950 à peu près. C'est en exhumant ces archives rares que nous avons découvert le destin de celle qui est à l'origine de ce succès. Barbe Nicole Ponsardin, une bourgeoise de Reims devenue veuve à 27 ans et qui va avoir l'audace de reprendre les rênes de la maison familiale fondée par son beau-père, Philippe Clicquot. On est en 1805, on est pendant une période extrêmement troublée en Europe, ce sont les guerres napoléoniennes. Les récoltes n'ont pas été extraordinaires du tout dans les années qui précèdent. Et là, on découvre un personnage extraordinaire de détermination, d'intelligence, de vision, parce qu'on est à une époque où le champagne, c'est encore un produit un peu expérimental. Ensuite, elle va vraiment s'attacher à la qualité des vins, à essayer de comprendre ce qui se passe, et on lui doit des progrès vraiment significatifs en termes d'élaboration du champagne, que l'on utilise toujours aujourd'hui. C'est elle qui invente la technique de remuage des bouteilles sur une table, puis sur des pupitres, et c'est un moment décisif pour la champagne. Et ensuite, et c'est très important, elle va faire preuve d'une grande ténacité pour exporter ses vins. La France est un marché extrêmement restreint. Le champagne est déjà un produit de luxe, difficile à élaborer, il coûte cher.
la première femme à diriger une maison de champagne, décide alors d'élargir ses horizons de vente. Première escale, la Russie. On a une vraie francophilie chez les consommateurs, les amateurs russes. Et la consommation de champagne va avec l'amour des belles lettres françaises, avec les plaisirs d'avoir des beaux objets, des beaux tableaux venant de France, la littérature, etc. Donc c'est tout un art de vivre qui s'exporte à travers une bouteille de champagne. De l'Europe du Sud à la Russie, en passant même par la Laponie, son champagne conquiert dès le 19e siècle le monde entier. Femme moderne et déterminée, la veuve Cliquot n'a qu'un objectif, participer à la grandeur de la France. Alors, nous avons un document exceptionnel, c'est vraiment une pépite dans notre trésor des archives. Il s'agit d'un document plus personnel, donc sur lequel est écrit le nom de Madame Cliquot. Nous ne l'avions pas dans nos archives, c'est une personne qui l'a trouvé dans un grenier d'un château qu'il venait d'acheter. On y lit encore vraiment son activité au sein du vignoble, d'achat de raisins, de négoces de produits liés à la vigne. Et puis, c'est vrai que je vous disais qu'il y avait beaucoup d'émotions parce qu'on est là sur la date d'avril 1866 et donc on est quelques mois avant sa disparition. On a là certainement les derniers écrits de Madame Cliquot. Dame de fer, la veuve Cliquot n'en restait pas moins une dame de cœur. Humaniste, elle fonda des écoles, une maison de retraite et dans son château de Boursault, près d'Épernay, elle créera une caisse de secours. Un château dans lequel elle s'éteindra à 89 ans. La maison de Champagne perpétuera ses valeurs tout au long du XXe siècle. Fabienne Moreau nous invite à les découvrir dans un endroit tout à fait mystérieux, à plusieurs dizaines de mètres sous terre. On se trouve dans les crières de la maison Veuve Cliquot. C'est un endroit emblématique pour l'histoire de Reims, pour l'histoire du champagne, pour l'histoire de la maison, parce qu'on y trouve vraiment les éléments liés au patrimoine. Donc les premières crières ont été creusées à l'époque gallo-romaine, à Reims. Les blocs de craie étaient extraits pour pouvoir construire les remparts qui fortifiaient la ville. Celles où on se trouve aujourd'hui sont plus du Moyen-Âge, du XIe, XIIe siècle. Et elles ont été donc abandonnées une fois la carrière creusée. Et c'est seulement au XIXe siècle et au début du XXe siècle pour la maison Veuve Cliquot qu'on a réinvesti les lieux. Les crayères de la butte Saint-Nicaise, avec leur obscurité, leur tranquillité et leur température constante de 11 degrés, sont un endroit idéal pour la maturation du champagne. Ce sont donc des milliers d'employés qui vont travailler dans ces 24 km de galeries, comme en témoignent ces insolites plaques patronymiques. En fait, c'est vraiment un hommage rendu à la fidélité de ces personnes de la maison. Donc la plaque porte le nom de ce salarié, de sa date d'entrée, sa date de sortie dans la maison. Et le dernier métier qu'il a exercé, parce que généralement, un jeune peut rentrer à 14 ans et terminer sa carrière comme chef d'atelier, chef bouchonnier, remueur. Mais en 1914, la ville de Reims est bombardée. Aux côtés de civils et de soldats, ses employés se retrouvent à un véritable carrefour de l'histoire de France. On est face à des traces de l'histoire de la Grande Guerre. On y voit là une croix rouge avec une flèche. Ça, c'est des traces de peinture qui datent du début de la Première Guerre mondiale et qui permettaient donc aux personnes qui arrivaient dans les caves de s'orienter pour aller soit vers l'infirmerie, soit s'abriter, puisqu'ici, on lit aussi, on devine les lettres qui forment le mot « abri ».
des noms, des dates de naissance. La Grande Guerre écrira aussi une page de son histoire douloureuse dans ses crayères de Champagne. Et c'est une vraie émotion de pouvoir aussi conserver les traces de cette histoire. Quand on traverse ces crayères, eh bien on sent en effet qu'on est face à un patrimoine qui dépasse évidemment la ville de Reims. Véritable cathédrale souterraine, les crayères de la butte Saint-Nicaise abritent de multiples trésors de notre histoire. Sous l'impulsion d'une autre grande dame de la Champagne, le vin se fait alors œuvre d'art. À quelques centaines de mètres des crayères de la maison Veuve Clicquot, Louise Pommery, architecte du vin et des pierres, transforme à la fin du 19e siècle ses 18 km de galeries en galeries d'art. Gustave Navelet y sculpte à même la craie et à la bougie plusieurs bas-reliefs, tous à la gloire du Champagne. En s'enfonçant dans les galeries, on y découvre une œuvre plus imposante, un souper sous la Régence. Mais le plus impressionnant peut-être, c'est ce bas-relief, Silène, représentant le père adoptif de Bacchus. Un bas-relief sculpté en 1884 de plus de 15 mètres de long sur 6 mètres de haut. Des trésors, le patrimoine du vignoble champenois en regorge. Mais il arrive que certains d'entre eux soient plus connus à l'étranger que sur notre territoire. C'est le cas de la maison Salon. En plein cœur du village du Ménil-sur-Auger, une parcelle de vigne est l'objet de toutes les attentions. Cette parcelle, c'est vraiment l'origine, le patrimoine de Salon. C'est ce qui fait Salon au début de tout. Avant même de consommer les bouteilles, tout part d'ici. C'est notre richesse. Notre richesse, c'est la terre. Cet homme épris de cette terre, c'est Didier de Pont. Tourangeau de souche, il est à la tête depuis 20 ans de la prestigieuse et très confidentielle maison de champagne Salon. Salon est un champagne très discret dans le monde du champagne. On nous voit très peu, on parle très peu de nous. Et donc, on est également très discret sur les gens qui consomment Salon et nos clients. Mais effectivement, il y a des gens très célèbres, aussi bien du cinéma, du théâtre, de la musique, qui sont nos clientes. Salon fait partie de ces 5-6 vins, 10 vins peut-être dans le monde, qui sont recherchés par les collectionneurs et que l'on trouve également dans les ventes aux enchères, à des prix qui s'envolent totalement. Salon est unique en Champagne. Par son prix, aucune bouteille n'est vendue à moins de 400 euros. Mais surtout par son absence d'assemblage. C'est un monoterroir, la Côte des Blancs, un monocru, le village du Ménil-sur-Auger, un monocépage, du Chardonnay, un monomillésime, les vins d'une seule année. Aux côtés de Didier de Pont, nous allons faire partie des rares privilégiés à découvrir les secrets de cette légende de la Champagne. Une légende créée par un homme en 1905, Eugène Aimé Salon. Monsieur Salon a dit « Je ne vais faire du champagne qu'à base de Chardonnay ». C'est le créateur du blanc de blanc. Chardonnay venant d'un seul cru, d'un seul village, le Ménil-sur-Auger, là où on se trouve aujourd'hui. Et je ne ferai du champagne, je ne produirai du champagne uniquement lorsque ça sera une très grande année à millésimer, sinon je ne ferai rien. Au XXe siècle, Salon n'a produit que 37 millésimes en 100 ans. Il n'y a pas un autre domaine dans le monde, une autre propriété, un autre château dans le monde qui n'a produit que 37 fois du vin en 100 ans. Et puis pour corser encore un petit peu l'affaire, M. Salon a dit « Je vais garder mes vins,
les faire vieillir dans la cave minimum 10 ans. On peut imaginer que si on fait un millésime 2016, il sera disponible en 2030, effectivement. Salon a créé le premier champagne de garde. Un champagne qui se déguste avec parcimonie. Pas plus de 60 000 bouteilles sont produites par an. Ils sont donc rares, ceux qui ont déjà goûté ce champagne d'exception. Aujourd'hui, Didier en a invité certains à déguster quelques millésimes. Ses amis, comme Didier les appelle, sont indonésiens, chinois ou encore américains. Des amis qui n'hésitent pas à faire des milliers de kilomètres pour goûter une nouvelle fois ce champagne au goût très vineux qu'ils considèrent unique. Didier a organisé un déjeuner servi dans un des salons de la maison. Nous avons rencontré Félix, qui vient de Pékin. Il a fait plus de 8000 km pour venir au Ménil-sur-Oger. Je travaille dans la publicité. Et mes amis travaillent dans l'automobile ou dans la musique. Enfin, on n'est pas dans le métier du vin, en fait. Mais on aime tous le vin, la façon de vivre à la française. Parce que le champagne de salon, c'est un champagne irremplaçable par sa qualité, la recherche de la pureté. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans d'autres champagnes. Le salon est de plus en plus connu en Chine. Maintenant, on le qualifie comme, soi-disant, le Hermès des champagnes. Ariel, quant à lui, est argentin. Son premier souvenir avec Salon, il s'en rappelle comme si c'était hier. C'était une découverte extraordinaire. Quand on aime le champagne, on sait qu'on aime un produit qui est fait d'une manière particulière et qu'il y a certaines caractéristiques qui sont propres au champagne. Mais quand on connaît Salon, on voit qu'on est dans un autre monde. On est ailleurs. C'est extraordinaire. Salon aujourd'hui, c'est le résultat pas seulement de la recherche de l'excellence de la qualité du vin, mais c'est aussi le respect de cette tradition. Pour venir déguster ça, je crois que ça vaut la peine n'importe quel voyage en fait. La tradition dont parle Ariel, nous l'avons découverte lorsque nous avons délaissé les hôtes de Didier le temps du déjeuner. Au détour d'une cave, nous avons croisé Jérémy. Ce jour-là, il était en charge du remuage, une étape qu'il réalise comme autrefois. La fonction consiste à remuer les bouteilles tous les jours pour faire descendre le dépôt par gravité, pour que le dépôt vienne se loger dans le goulot de la bouteille, dans un petit bidule en plastique, qui après ensuite, à la fin du remuage, sera dégorgé manuellement. Par jour, Jérémy peut remuer jusqu'à 50 000 bouteilles. Ce que je parle avec mes amis, c'est que j'ai la chance de remuer des bouteilles qui sont assez exceptionnelles et qui ne sont pas à la portée de tout le monde au niveau achat. Une fois remué, Jérémy devra pratiquer le dégorgement à la volée, comme autrefois. Voilà l'étape du dégorgement. Donc le remuage a été fini. 3 semaines que la bouteille a été remuée. Donc toujours le goulot vers le bas. On va placer la pince juste devant la capsule. On tape un petit peu la bulle que j'ai oubliée. Pour qu'il n'y ait qu'une bulle, on cule la bouteille. Et là, tranquillement, on va venir monter, faire monter la bulle. Et là, dégorger. Et là, on évacue toute la boue qui est dans la bouteille. Et là, on se retrouve avec une bouteille claire. Une élaboration traditionnelle et unique qui séduit donc les amateurs bien au-delà de nos frontières. Thank you so much. À l'étage, le repas s'achève. Comblé, les invités remercient chaleureusement leur hôte. Salut. Ouais. Salut Félix. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tout. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci. C'était un grand moment de partage, parce que quand on fait les vins que nous faisons, en fait, nous les faisons pour les partager. On a entendu le son qui montait, des gens heureux, des gens souriants et des gens qui repartent avec une idée, une belle idée de la Champagne, une belle idée de Salon et une belle idée de la France. Salon, une légende méconnue, devenue pourtant l'un des fleurons du patrimoine viticole français.
marche ? Oui. Alors avec vous, Francis Mayer, nous sommes de retour dans les magnifiques vignes de Château d'Yquem. C'est un jour vraiment très particulier puisque ce sont les vendanges ici à Château d'Yquem. Et ce sont des vendanges très particulières parce que vous ne faites pas la vendange comme tout le monde, si j'ose dire. Vous, vous attendez un petit champignon. De quel champignon s'agit-il ? Alors il s'agit d'un champignon très commun. Hein. C'est un des plus grands ravageurs de la vigne. C'est le Botrytis cinerea. Et qui, chez nous, à Sauternes, peut arriver à ce stade extraordinaire de pourriture noble, justement, de raisins confits. Pourquoi ? Parce que l'eau s'étant évaporée, le sucre concentré, on va arriver à un potentiel de 20-21 degrés d'alcool. Et c'est le degré dont on a besoin pour faire du Sauternes. Alors du coup, ces récoltes vous obligent, j'imagine, à avoir un rendement très faible ? Le rendement, au final, est extrêmement faible. À Yquem, on produit en fait un verre de vin par pied de vigne. C'est ce grain rôti que vous allez vendanger. Pour vous, ça, c'est la perfection ? Absolument. Château d'Yquem fait l'objet d'un véritable culte quand certains sont prêts à parcourir des milliers de kilomètres pour venir déguster quelques centilitres de ce précieux nectar. D'autres sont prêts à investir toutes leurs économies pour acquérir un flacon, un souvenir, une histoire. Cette quête des plus beaux trésors du vignoble français ne nous a pas conduits uniquement dans les plus beaux châteaux ou palais de la République. À 70 km de Niort, en rase campagne, Michel-Jacques Chasseuil, un retraité de 75 ans, cherchez grenouille, possède un trésor qu'aucun milliardaire au monde ne détient. Fils de facteur, Michel Jacques a très vite été contaminé par la fièvre collectionneuse. Les timbres, bien sûr, puis très vite, sont venus s'ajouter les vins. Tout commence réellement dans les années 60. Entré chez Dassault comme chaudronnier, quelques années plus tard, il est chargé d'accueillir les délégations étrangères. Une mission qui lui permet de découvrir le vin, les grands vins. Et j'ai commencé par acheter tout ce qui était le plus rare, comme m'avait dit Marcel Dassault. Des petits vins, vous en trouvez tous les jours, mais des vins rares, il vaut mieux une bouteille que 100 bouteilles. Et c'est ce que j'ai fait, ce qui a permis à ce que cette collection devienne unique au monde. Une collection unique au monde que Michel Jacques décide en l'an 2000 de protéger. C'est ce sanctuaire qui se trouve là sous ces volières. Pourquoi c'est des volières ? C'est parce que vous avez des entrées d'aération. Derrière ces filets, sous ces drôles de cheminées, à quelques mètres sous terre des poulaillers, se cache l'une des plus belles caves du monde. J'ai commandé 3000 parpaings et en août de l'an 2000, je me suis pris par la main, 5 mètres par jour, j'ai construit ma cave. Et puis ça fait un bloco sans terre de 30 mètres de long sur 5 mètres de large. Michel Jacques a accepté de nous faire découvrir son sanctuaire, comme il l'appelle. Mais pour y accéder, il faut s'armer de patience et de vigilance. Après avoir descendu un abrupt escalier, éviter les pièges que Michel Jacques y a placés, traverser une cave, ouvert une porte blindée, démonter un mur de parpaing, traverser une nouvelle cave et emprunter un obscur tunnel, nous avons pu enfin pénétrer dans le Saint des Saints. Là, nous voici dans le sanctuaire. Des vins mythiques, des plus gros vins du monde, dans les plus grands millésimes, des vins les plus grands de tous les temps. Vous avez les grands champagnes, salons, les vins de la vallée du Rhône. Là, vous avez tous les grands de Châteauneuf-du-Pape, Château Rayas, Henri Bonneau. Ensuite, nous arrivons vers la Bourgogne, les Monts Rachet, tous les Monts Rachet des 13 producteurs. En face, vous avez les grands vins de Bordeaux, premier grand cru classé 1855, Mouton Margaux, Lafitte au Brion, dans les grands millésimes 61, 82, 90, 2000, 2005, 2010. Et j'ai par exemple un siècle d'Yquem depuis 1900 jusqu'à nos jours, dans les plus vieux millésimes 1811, 1847, 1921, les vins mythiques, et parallèlement au grand blanc liquoreux, tous les Pétrus depuis 1945.
j'ai goûté pratiquement tous ces vins quand ça valait une bouchée de pain, dans les années 1970. Au total, Michel Jack a rassemblé plus de 40 000 bouteilles, estimées à 40 millions d'euros. Et derrière chacune de ces bouteilles, derrière chaque millésime, Michel Jack a une histoire à raconter. J'ai la marée brisard du bateau Titanic. Et effectivement, à cette époque, tous ces milliardaires étaient partis dans ce bateau avec les coffres, les bijoux, tout ce qu'ils avaient de plus cher, le plus riche entre eux. Et le soir, parmi les festivités, voilà, ils buvaient de l'or. C'est-à-dire qu'ils avaient pris tous leurs beaux bijoux, reflétant dans les luces en cristal du bateau. Et avec tout ça, dans des coupes à champagne, ils buvaient de la marée brisard avec des petites paillettes d'or qui flottent. Et on buvait de l'eau. À l'époque, c'était le raffinement suprême, purificateur de sang. Il y a aussi ce Gruau-la-Rose, retrouvé dans une épave échouée en mer de Chine en 1872. Ou encore ce Pétrus 1914. Il est vrai que là, j'ai un petit peu d'émotion. Mais vous avez ici la vitrine de ma famille. Mon grand-père qui a fait la guerre 14. Là, j'ai tous les écrits au crayon de papier dans les tranchées Verdun, avec sa légende d'honneur, toutes ses médailles militaires. Il était cafetier licence 4. Mon père, facteur, qui payait les mandats dans sa sacoche en vie, en bicyclette. Il payait les mandats dans les fermes. Et c'est vrai, c'est peut-être grâce à cette famille, à mes parents, mes grands-parents, que je suis là aujourd'hui, en toute simplicité, humble, que finalement, tout est possible sur Terre si on a la volonté. Et pour leur rendre hommage, j'ai donc trouvé les deux vins mythiques rouges et blancs de France, Château Yquem et Pétrus 1914, car mon père est né en 1914. Tous les murs de la cave de Michel Jack sont recouverts de noms de légendes. Alors forcément, sa collection attire la convoitise des plus grands amateurs du monde entier. Il y avait un dîner de gala de 400 personnes et à côté de moi, j'avais un Chinois qui gagnait 1 million d'euros par jour. Alors effectivement, à la fin du repas, je vois ce monsieur qui sort son carnet et qui me fait un chèque, 50 millions d'euros. Alors je dis à mon collègue, M. Cointreau, qui m'avait invité à l'époque, c'est quoi? Il me dit, monsieur, c'est pour ta collection, il t'achète ta collection, 50 millions d'euros. Mais je dis, la collection n'est pas à vendre, c'est un patrimoine, est-ce que la Joconde est à vendre? Non, la collection, elle n'est pas à vendre, même pour 50 millions d'euros. À l'instar de la Joconde, Michel Jack considère ses bouteilles comme des œuvres d'art. Sa collection comme le chef-d'œuvre d'une vie. C'est le patrimoine pour les générations futures qui doit être conservé et qui ne peut pas être considéré comme collection parce que collection, c'est trop patient, privé, personnel. J'ai une collection. À ce qui me concerne, toutes ces caisses rassemblées, c'est le patrimoine de l'UNESCO qui appartient au monde entier. Ce patrimoine, Michel Jack aimerait le partager en érigeant un Louvre du vin, un projet ambitieux pour sauvegarder un véritable trésor national. Abandonnant Michel Jack à ses rêves, nous avons repris notre route pour partir cette fois à la découverte des trésors du vignoble bordelais. Pour commencer, un peu d'histoire. Si la présence de vignes dans la région remonte à l'Antiquité, ce n'est qu'au XVIIIe siècle que vont s'affirmer les grands vins de Bordeaux. Révolu le temps de ce vin coupé à l'eau, vendu en barrique et que développait dès le XIIe siècle Aliénor, duchesse d'Aquitaine et reine d'Angleterre. Au XVIIIe siècle, place à la splendeur, à la qualité et à la bouteille en verre, idéal pour bonifier les vins et offrir toute leur noblesse. Des nouveaux vins qui font une entrée retentissante à la cour de Louis XV. On se déplace même de l'autre côté de l'Atlantique pour déguster et élire ses vins bordelais préférés. En 1787, le futur troisième président américain Thomas Jefferson, en visite dans la région, tombe littéralement sous le charme enivrant de 4 vins, Château Margaux, Château Lafitte, Château Latour et Château Aubryon.
C'était, sans le savoir, anticipé sur un classement qui serait établi seulement en 1855 et qui, de nos jours, continue de faire référence. Ce classement, que tous les amateurs de vin aujourd'hui connaissent, c'est le classement des grands crus du Médoc, édifié par Napoléon III en 1855. À cette époque, l'empereur avait souhaité pour la première exposition universelle française la présence de grands crus, qu'il considérait comme des fleurons de l'excellence nationale. Un document historique et mythique, donc, conservé à la Chambre de commerce de Bordeaux et que nous présente Max de Lestapie, président honoraire du syndicat des courtiers. C'est émouvant parce que j'ai dans mes mains la lettre du syndic et des adjoints, donc des courtiers de commerce de la Bourse de Bordeaux, qui répondent aux membres de la Chambre de commerce qui leur avaient confié la mission de faire cette classification. Ce sont des documents émouvants, puisque quand même ils datent du 18 avril 1855. Oui, cela peut paraître surprenant, mais ce sont bien des courtiers qui ont observé les prix du marché et classé les vins par niveau économique sans aucun critère qualitatif. La classification a été rapidement faite. Elle a été faite en l'espace d'une quinzaine de jours. Alors ici, vous avez la liste des premiers crus, la liste des deuxièmes crus, la liste des troisièmes crus et des quatrièmes et des cinquièmes crus. Voilà. En tout, 61 crus ont été classés. Les quatre châteaux classés premiers sont Lafitte, Margaux, Latour et Aubrion. Aubrion, un vignoble connu pour être l'un des plus anciens de la région bordelaise. De par ce classement, il est aussi l'un des plus prestigieux. Aux côtés de son actuel propriétaire, le prince Robert de Luxembourg, nous avons découvert les secrets de sa longévité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'Aubrion est le vignoble le plus ancien de la région. On pense qu'il y a eu des vignes ici plantées entre 40 et 60 après Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de familles qui se sont suivies. Il y a celle qui a le plus marqué l'histoire d'Aubrion, clairement, c'est les Pontacq. Pontacq, un nom qui va marquer l'histoire des plus grands vins de Bordeaux, à commencer par son domaine, bien sûr. À la fin du XVIIe siècle, à une époque où tant de guerres font rage, il faut pouvoir stocker le vin. Arnaud III de Pontacq fait alors la synthèse de différentes techniques et invente ce que l'on appelle aujourd'hui les vins de garde. Avant cela, les vins s'appelaient les clarets, les clairets, qui étaient plus des vins du style que nous avons d'ailleurs toujours ici à Bordeaux aujourd'hui. C'était une façon, je pense, de protéger le vin et aussi de mettre l'accent sur des vins tels que les vins d'Aubrion qui étaient vraiment marqués par une qualité à part. À titre exceptionnel, le prince Robert de Luxembourg nous a autorisé à découvrir ces techniques toujours utilisées trois siècles plus tard dans le chai du château Aubrion. La première d'entre elles, le brûlage du soufre pour assainir les barriques. Puis le soutirage, qui en transvasant le vin, le débarrasse de ses impuretés. Enfin, l'ouillage, qui consiste à compenser l'évaporation en remplissant constamment les barriques pour éviter que le vin ne s'oxyde. Ce qu'Arnaud III de Pontacq invente, ce sont tout simplement les vins d'aujourd'hui. Son fils innovera à son tour en inventant le concept de château viticole. Pour la première fois, un vin porte le nom d'un terroir. Dans les restaurants, dans les commerces, on parle désormais de château Aubrion. Au
brillant par cela et peut-être la première marque de luxe du monde. La notoriété internationale du père des premiers crus classés est enclenchée et perdure 3 siècles plus tard. Certains millésimes de Château Aubryon peuvent aujourd'hui s'échanger à près de 3000 euros. Des idées révolutionnaires qui accompagnent des vins extraordinaires, voilà aussi une des raisons de l'ancrage de ces breuvages dans notre histoire. À Château Margaux, autre cru distingué par le classement de 1855, c'est un savoir-faire unique qui honore ce nectar. Nous avons rencontré sa propriétaire, Corinne Menzelopoulos, qui a pris les rênes du château il y a plus de 30 ans. J'avais une licence de lettres classiques et j'avais fait Sciences Po en économie et finance. J'avais une petite justification, mais je n'y connaissais rien au vin. C'est que je ne me suis pas rendu compte de l'enjeu. C'est pour ça que je l'ai pris à bras le corps. Ça serait à refaire aujourd'hui. J'aurais peut-être plus de recul ou d'hésitation. C'est difficile à savoir. Son investissement, Corinne le tient de son père, André Menzelopoulos, riche entrepreneur grec qui, en 1977, acquiert un château et des vignes délaissées dont à l'époque personne ne veut. Première ambition, rendre à la bâtisse son lustre d'antan dans le plus pur respect des techniques traditionnelles. Ils ont su choisir un architecte des monuments historiques assez doué, connu, mais surtout très amoureux des vieilles pierres. Le résultat est à la hauteur des travaux engagés. Aujourd'hui, le château de style néoclassique est considéré comme le Versailles du Médoc. André Menzelopoulos s'attaque ensuite aux vignes et en quelques années seulement, leur restitue toute leur grandeur. Il ne s'agissait pas d'améliorer, il s'agissait de remettre Margaux à son niveau qu'il avait perdu à cause des grands millésimes et du manque d'investissement. Héritière et véritable ambassadrice du château Margaux, Corinne Menzelopoulos porte ses crus de légende jusqu'aux plus grandes tables de la planète. Vous êtes au service de Château Margaux. C'est pas Château Margaux qui vous rend service ou qui. C'est nous qui sommes obligés d'être dans sa longue histoire, un petit bout finalement. Nous passons par hasard. Et si je peux dire au moment de partir, j'espère le plus tard possible, que je n'ai pas failli à cette tâche, que, en tout cas, je ne l'ai pas abîmée. Parce que l'améliorer, est-ce qu'on peut encore ? Je ne sais pas. Un passage éphémère pour rendre un vin éternel. Le défi quotidien de Corinne Menzelopoulos est colossal. Pour mener à bien cette tâche, Corinne s'entoure d'une équipe de véritables passionnés. Depuis 4 ans maintenant, Jonathan Ribera est le tonnelier maison, ou plutôt château. À 38 ans, il est l'un des derniers tonneliers à travailler au sein même d'un château viticole. Quand j'avais 17 ans, j'ai mis les pieds dans une tonnellerie et j'ai plus voulu en repartir. Et on devient tonnelier par amour du métier. On ne devient pas tonnelier par hasard. Ici, j'ai la chance de pouvoir travailler les barriques quasiment comme ça se faisait il y a 200 ans ici. C'est quand même une chance pour la tonnellerie française de pouvoir conserver un métier totalement artisanal, de conserver les valeurs de ce métier-là et toute la technique qui va avec. Son atelier est un endroit un peu hors du temps, avec ses odeurs surannées et ses outils d'autrefois. Ma première étape est de sélectionner et d'installer une planche qui va déterminer la mesure exacte de la barrique. Donc tout le travail va être de déterminer l'emplacement exact des douelles
Les douelles étant des planches de chêne qui ont été séchées entre 24 et 36 mois. Son bois, Jonathan le connaît sous toutes ses rainures. Il y a une certaine sensualité entre le tonnelier et le bois qui travaille. Le contact du bois est très doux, c'est une matière noble. De s'imaginer que ce bois-là est peut-être bicentenaire. Les douelles posées, Jonathan les rassemble dans des cercles de montage. En véritable homme orchestre, il prépare alors, à l'aide d'une châsse et d'un marteau, ce qu'on appelle une rose. Mais tout son savoir-faire, Jonathan va l'exprimer dans une prochaine étape nécessaire pour la qualité du vin, la chauffe. Là, j'ai préparé mon brasse zéro de manière à chauffer la barrique. La chauffe est le moment le plus important de la réalisation d'une barrique. C'est la chauffe qui va révéler les tanins des douelles, du bois. Et suivant l'intensité de chauffe, on va obtenir un impact différent sur le vin qui sera dedans. Tonnelier, ou quand travailler le bois devient travailler le vin. Je réalise une chauffe qui était déterminée par le maître de chai par rapport au travail qu'il veut réaliser sur les tanins. On peut obtenir des odeurs de mocha, il peut y avoir des goûts toastés. Une chauffe légère peut ramener des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus feutrées, des odeurs de pain grillé. Donc à l'aide du capestan qui est au sol, je vais resserrer la barrique au fur et à mesure de sa montée en température. Après 1h15 de chauffe, Jonathan devra rendre l'étanchéité du fût en lui apposant ses fonds. En une journée, il réussira à fabriquer 2 barriques. Protecteur de cette tradition, Jonathan espère bien à son tour transmettre ce savoir-faire séculaire et contribuer ainsi au prestige de Château Margaux. Bonjour Sandrine. Bonjour Sophie. J'ai l'impression de vous déranger non, dans une va. Opération très particulière. Je suis concentrée, je vois ça. Alors, Sandrine Garbaille, vous êtes maître de chai ici à Château d'Yquem. Et là, c'est une opération de surveillance, de contrôle. Que et se passe-t-il? Oui, tout à fait. Nous sommes ici dans le chai souterrain où nous avons le millésime 2015 qui est en élevage. Et donc, je suis en train en fait, de contrôler chaque barrique pour vérifier que tout va bien, que l'élevage se passe bien. Alors, est-ce que là, tout va bien? Tout va bien. Vous regardez la couleur aussi? Je regarde la couleur, ouais. En fait, l'aspect. Il faut évidemment que le vin soit limpide et calme, donc sans pétillement aucun, évidemment. Et le nez doit être aromatique, intense, très fruité, vraiment sur un fruit pur et net, ce qui est le cas ici sur ce 2015. Je peux? Ce travail et cette tradition ont été récompensés dès 1855 par le classement de Napoléon III. Yquem devient alors le premier et unique vin blanc à être classé premier cru supérieur. Yquem côtoie alors ses illustres voisins du Médoc. Notre chasse au trésor dans le vignoble bordelais se poursuit avec, en guise de carte routière de luxe, ce fameux classement de 1855. Après Aubryon et Margaux, nous nous sommes arrêtés un instant dans les 3 autres premiers grands crus classés de Bordeaux. Château-Latour et son vignoble de 750 000 pieds au bord de la Gironde. Château Lafitte Rothschild, dont le château du XVIe siècle est classé monument historique.
Et puis Mouton Rothschild, seul château ayant intégré le haut du classement après 1855. Mais comme souvent dans les trajets, ce sont les détours, les petits imprévus, qui offrent des souvenirs impérissables. Non classé en 1855 et pour cause, il n'est pas situé en Médoc mais à Pomerols. Courtisé, vénéré même, il est l'un des porte-étendards de ce que la France offre de plus raffiné à l'étranger. Fermé aux visites, jamais exposé aux caméras de télévision, son domaine nous a été exceptionnellement ouvert. Pétrus. C'est Olivier Berrouet, son tout jeune directeur, qui détient les clés de ce très discret paradis dont la boisson divine a fasciné tous ceux qui ont eu le privilège de la déguster. Alors Pétrus, c'est une histoire à la fois mythique et très récente puisque la propriété a réellement explosé il y a une cinquantaine, soixantaine d'années d'un point de vue reconnaissance à la fois internationale et puis française. Il y a deux événements qui ont aidé à la renommée de Pétrus. Tout d'abord, le couronnement de la reine d'Angleterre, où des Pétrus 47 ont été servis. Et l'autre événement, aux États-Unis, Pétrus est devenu le vin favori de la famille Kennedy, et notamment de JFK, qui a été un ambassadeur de rêve pour les vins de la propriété. Une histoire récente, donc, qui est l'œuvre d'une femme, Madame Louba, propriétaire de Pétrus au début du XXe siècle, et de son partenaire Jean-Pierre Mouex. Ils sont les premiers à avoir décelé le trésor qui était sous leurs yeux, ou plutôt sous leurs pieds. La grande richesse de Pétrus, c'est cette terre très argileuse qui a à peu près 40 millions d'années, qui date donc de l'ère tertiaire. Ce sont donc des alluvions argileuses qui sont relativement rare à Bordeaux, puisqu'il y a 120 000 hectares de vignes à Bordeaux, il y a moins de 200 hectares qui sont exploités sur argile. Pétrus, c'est en quelque sorte une exception dans l'exceptionnel. Alors forcément, Olivier porte une attention toute particulière à ce vignoble d'à peine plus de 11 hectares. Ces grands terroirs, il ne faut pas les brutaliser. Il faut les travailler avec beaucoup de douceur, il faut essayer de les comprendre, ça prend beaucoup de temps. Donc il y a un travail mécanique du sol qui est réalisé pour permettre à ces argiles de respirer, de permettre aux racines de s'installer bien en profondeur. Ces argiles, qui assurent un drainage unique de l'eau, sont entretenues, choyées même, jour après jour, par Olivier et ses équipes. Donc on a la chance d'avoir des hommes qui travaillent sur la propriété depuis un nombre important d'années et qui savent comprendre, qui savent à quel moment intervenir. Ça va, tout va bien? Oui, pas de maladie, rien du tout, vous avez rien, pas de pourriture. Pétrus, c'est donc l'histoire d'un sol exceptionnel. Un sol, mais pas seulement. L'homme que rejoint Olivier, c'est son père, Jean-Claude. Œnologue chez Pétrus pendant 44 ans. Ça va ? Tu regardes les mêmes. À la retraite, depuis 2008, il reste néanmoins le mentor et le conseiller éclairé d'Olivier. Chaque fois que Olivier me le demande, et si les idées de son vieux père lui sont utiles, voilà, je viens. Cicadelle, là, tu ressens ? Non, là, tu ressens. C'est vraiment un échange que l'on a en permanence. Donc lui, grâce à son demi-siècle d'expérience sur la propriété, donc moi, son expérience nourrit mes réflexions pour toujours faire progresser le vignoble, le vin, et toujours aller vers une qualité, une recherche de qualité permanente. Vous savez, un cru, c'est une identité, c'est une personnalité, c'est une typicité. Et chaque cru est unique. Donc,
tout l'art des responsables, c'est de protéger et de faire exprimer cette identité, cette originalité. Pétrus, c'est une rencontre entre un cépage, le Merlot, et un sol, l'argile, qui est quand même unique, en tous les cas, à Bordeaux. Sa qualité remarquable est remarquée dans le monde entier. Pétrus la doit peut-être aussi à la valeur des hommes qui la façonnent. D'abord, il faut être modeste, être humble, être curieux, très observateur, mais être d'une grande sensibilité également pour bien décoder, pour bien diagnostiquer la matière première. Moi, j'ai baigné dans mon éducation familiale, dans la sensibilité. Alors, je pense que finalement, c'est la qualité la plus importante que j'ai peut-être transmise à mes fils. Aux côtés de la famille Mouex, propriétaire de Pétrus, les Bérouet père et fils veillent sur un domaine à la réussite discrète et au trésor silencieux. On a la chance de travailler sur un lieu qui est mythique, avec un produit qui est absolument extraordinaire et qui nous procure un plaisir, des sensations, des émotions immenses. Et on met ce vin-là dans une bouteille et on sait qu'elle sera partagée à 10 km d'ici, 100 km, 10 000 ou 20 000 km d'ici. Des personnes vont partager ce moment de plaisir avec leurs amis, leur famille. Et on met du bonheur, de la joie en bouteille quelque part. Ce jour-là, aux côtés d'Olivier, nous avons partagé bien plus qu'un hectare. C'est l'âme de Pétrus que nous avons caressée. Bonjour Pierre. Bonjour Sophie. Comment allez-vous? Ça va bien. Pierre Lurton, en tant que président directeur général de Château d'Yquem, vous avez une sacrée responsabilité. Si je dis de vous que vous êtes un peu un chef d'orchestre, est-ce que ça vous va? Oui, ça me va bien parce que les instruments sont de grande qualité. Mmh. Alors il fallait vraiment un bel écrin pour les magnifiques nectars que vous produisez ici. Il y a un patrimoine bâti exceptionnel et on le voit bien là, ici, dans cette cour. Le château a une histoire passionnante. Alors un château de la principale partie est du 17e. Ouais. Les murs autour sont du 15e. Et là, vous avez un magnifique chai de vieux millésimes d'Yquem qui se trouve là. Et une maison qui nous permet de recevoir le monde entier. Et déjà, dans l'histoire, Thomas Jefferson, dans les années 1780, était venu ici et avait trouvé le lieu magique et le vin incroyable. Et on avait acheté 300 bouteilles. Donc, voyez, on est vraiment dans l'histoire avec Yquem. Et on traverse le temps, il y a ce côté intemporel de ce lieu d'excellence que j'ai la chance de pouvoir partager avec une équipe merveilleuse. Si vous deviez me parler des trois grands millésimes d'Yquem, vous choisiriez lesquels? Il y a le millésime 67, 37, 21. Il y a les millésimes 1893, vendangés le 31 août. Les plus grands millésimes, ils sont à venir, hein? Mais bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, ces millésimes de légende sont quasiment introuvables dans le commerce. Alors pour les collectionneurs et les amateurs, le seul moyen de s'en procurer est de fréquenter les salles de vente aux enchères, des salles de vente qui se transforment parfois en salles au trésor. À plus de 600 km du château d'Yquem, dans des hangars de la banlieue parisienne, près de 3000 bouteilles de vin d'exception attendent de trouver leur nouveau propriétaire. Ça, c'est Lafitte 70, château d'Yquem 99 en magnum, château de la Tour 1955, le Pétrus 98. Alors là, c'est les grands blancs de la Bourgogne, un morceau Perrière 90 des Comtes Lafond. Ariane Brissard est la responsable du département vins et spiritueux de l'étude Tagent à Paris. Ce matin-là, elle vérifie une dernière fois l'état des 500 lots qu'elle proposera aux enchères cet après-midi à des amateurs venus des quatre coins de la planète. Le clou de la vente, 12 lots du vin le plus mythique de Bourgogne, celui du domaine de la Romanée-Conti.
Il y a plein de gens qui vont vous dire « J'aimerais boire une bouteille de Romanée Conti avant de mourir. » Ça va être leur rêve. Car goûter un vin du domaine, c'est goûter une histoire séculaire dans laquelle se croisent les moines de Saint-Vivant et le prince de Conti. Une histoire dans laquelle s'entrechoquent de rares chefs-d'œuvre. 6000 bouteilles seulement de l'appellation Romanée Conti sont produites par an. C'est la première fois que j'en ai une quantité aussi importante. On a près de 200 bouteilles en caisse bois d'origine. Il y a 12 millésimes qui suivent. Oui, c'est mon plus beau lot. Ariane doit transférer jusqu'à l'étude l'un de ses trésors conservés dans son écrin. Une caisse du domaine de la Romanée Conti, millésime 2005. Une mission délicate. On va mettre les couvertures pour bien les caler. Et surtout, on sangle pour pas que ça bouge pendant le transport. Et moins les bouge, mais on se porte. Trois quarts d'heure plus tard, le lot 485 arrive à bon port. Alors que les premiers acheteurs prennent place dans la salle, Ariane et son équipe vérifient les derniers ordres d'achat passés par téléphone ou Internet. Il est 14h, la vente démarre. Je vais pouvoir vous souhaiter la bienvenue pour cette vente consacrée aux grands vins et spiritueux. La vente a été préparée par Ariane Brissard. 60. Et les premiers coups de marteau du commissaire-priseur résonnent dans la salle. Adjugé 260. Elle a jugé 150. Cette jeune femme, c'est Polina Popova. D'origine russe, cette grande amatrice de vin français espère remporter pour un de ses clients une de ces fameuses caisses du domaine de la Romanée Conti. 13 bouteilles par caisse, estimées entre 12 et 20 000 euros. 26 500, 27 500 avec Mario. Les enchères s'envolent. 28 000 sur Internet. 29 000. Notre lot 485 exposé dans la salle atteint des sommets. 30 000. 31 000. Allez, 31 500 euros. Adjugé 31 500 euros au téléphone. Il est 19h et la vente se termine. Ariane a de quoi avoir le sourire. Les 12 caisses du domaine de la Romanée Conti ont trouvé leur nouveau propriétaire et vont bientôt voyager à Hong Kong, Los Angeles ou encore Moscou. C'est vraiment un des joyaux des vins français. Et parce que c'est ce terroir qui est microscopique et on fait des grands vins sur des grands terroirs. Et c'est la chance qu'a la Romanée Conti. C'est un terroir exceptionnel. Et Polina ? Polina aussi a le sourire. Le lot 485 lui a échappé, mais elle a obtenu une caisse de 2007 à un peu plus de 25 000 euros. Polina repartira en Russie avec bien plus que des bouteilles. En fait, c'est pas que l'étiquette, c'est pas que Grand Château. En fait, derrière, c'est l'histoire, c'est le sol, c'est le tiroir, c'est tout ce qui est autour de vin. Moi, j'organise de temps en temps les voyages gastronomiques pour les clients, aussi particuliers. Et justement, quand elle arrive en France, tout d'abord, c'est il faut goûter le vin. Il faut goûter le vin, il faut goûter le fromage. Je pense que c'est vraiment, c'est comme la Tour Eiffel, en fait. Mais pourquoi Polina voue-t-elle une passion, un amour immodéré pour ses vins de Bourgogne ? Nous avons pris une dernière fois la route pour dénicher ces trésors qui, en Russie et ailleurs, font la grandeur de la France. Direction le sud de Dijon et les grands crus de la Côte de Nuit. Un vignoble aux identités multiples, au rendement modeste, producteur donc des vins les plus chers au monde. Au beau milieu des vignes, nous avons rencontré Vincent Barbier, le grand maître de la confrérie des chevaliers du Tatevin, chargé de promouvoir et préserver la culture viticole bourguignonne. Je suis né dans le vin et dans une famille qui était dans la confrérie du Tatevin. Mon grand-père a été un des fondateurs, mon père a continué, donc je me devais de continuer. Notre lieu de rendez-vous, Vincent le connaît par cœur.
Ça a été un terrain de jeu quand j'étais tout petit. Et puis aujourd'hui, c'est un instrument extraordinaire. C'est un patrimoine formidable. Quand je rentre au château, je suis ailleurs. Je pense que tout se passe bien. Je crois que le château est magique. Le château dont Vincent parle n'est autre que le château du Clos de Vougeot. Un édifice du XIIe siècle construit au milieu de 50 hectares de vignes. Un grand cru que se partagent aujourd'hui 80 propriétaires. Vincent nous emmène découvrir les trésors de ce symbole quasi millénaire de l'histoire des vins de Bourgogne. Voilà, nous sommes dans le grand cellier cistercien, grand cellier du château du Clos de Vougeot, monument très important puisque construit au début du XIIe siècle. Et c'est là que les moines de Citeaux élevaient, conservaient leurs vins les plus précieux. On pouvait empiler jusqu'à 2000 tonneaux. Ces moines cisterciens ont leur abbaye à une quinzaine de kilomètres du Clos. Dès le Moyen Âge, les ducs de Bourgogne leur font don de multiples vignes. Les moines de Citeaux deviennent alors de véritables vignerons. Ce cellier remplaçait la cave puisque nous sommes sur un banc de roche. Et les moines, avec les techniques de l'époque, n'ont pas pu construire de cave, enfin creuser de cave. Ils ont donc construit ce cellier, qui est en partie enterré, puisque on voit les vignes à peu près à ce niveau-là. Aux côtés des bénédictins de l'abbaye de Cluny, les moines de Citeaux donnent à leur vin une véritable identité. Ils associent alors parcelles, cépages, terroirs et savoir-faire. Ce sont les fameux climats de Bourgogne. Ces mêmes climats qui ont été classés en 2015 patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils inventent également la notion de clos qui permet par un mur d'enceinte de déterminer plus précisément la propriété des terres et éviter les vols. Le clos de Vougeot en est une solide illustration. C'est là vraiment qu'est née la Bourgogne et les grands vins de Bourgogne, puisque les moines avaient le savoir et la durée. C'est ça qui est formidable, le savoir parce qu'ils avaient des livres, et puis la durée parce qu'ils plantaient un endroit, si ça ne marchait pas, ils analysaient pas la terre, ils la goûtaient, mais ils voyaient bien ce que ça donnait. Donc la durée a été quelque chose de très important, puisque les moines sont restés ici, dans ce château qu'ils ont construit pendant plus de 6 siècles. Siècle après siècle, les moines de Citeaux vont organiser, structurer le vignoble de Bourgogne. Ils vont alors s'équiper, comme en témoigne un impressionnant vestige conservé dans la cuverie du château du Clos de Vougeot. Alors, tout à l'heure, je parlais de magie. Eh bien, nous y sommes, en plein dans la magie, puisque nous sommes devant le pressoir construit en 1477. Près de 6 siècles plus tard, ce pressoir est toujours en activité. C'est des chênes de la forêt de Citeaux qui ont été coupés, ils avaient 250 ans. Ils sont restés encore 200 ans dans l'eau, parce que c'était le meilleur moyen pour les garder imputrescibles après. Ils ont séché et ils ont été mis en œuvre. Donc on va dire, la tradition raconte que ce sont les chênes qui ont été plantés, on va dire à l'époque de Charlemagne, en l'an 800. C'est une partie de l'histoire de France, bien sûr. Cette histoire de France, les moines de Citeaux vont continuer à l'écrire en érigeant à côté de l'édifice du XIIe siècle un manoir Renaissance. Confisqué à la Révolution au titre de bien national,
le château du Clos de Vougeot sera transformé, abandonné, puis restauré au gré de ses nouveaux propriétaires. Madame, messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de notre... Aujourd'hui, ce joyau architectural est le siège de la confrérie des Chevaliers du Tadevin. Près d'une fois par mois, Vincent Barbier y officie avec son habit de grand maître pour introniser de nouveaux membres. Par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Vincent, patron des vignerons, nous armons Chevaliers du Tadevin. 12 000 chevaliers au total, dont la moitié d'étrangers, tous animés par ce goût pour un patrimoine unique aux couleurs de la Bourgogne. Unique, c'est ce qui caractérise le domaine Leroy à Vosne-Romanée. Si ces vins figurent parmi les plus recherchés et appréciés au monde, ils le doivent à sa propriétaire, un personnage iconoclaste de 85 ans, qui répond au nom poétique de Lalou Bise Leroy. Vous voyez comme c'est joli. Il est beau. C'est un joli petit raisin. Ça, c'est la Bourgogne. Regarde comme il est beau. Hein. 2, 3, 4 raisins, il est... c'est superbe. C'est aussi comme, comme une personne, la terre. La terre, elle vit. Hein. Elle est bonne. Elle sent bon. Hein. Vous avez senti ? Vous avez senti ? Ouais. Elle est belle. Lalou est infatigable elle quand est belle. Elle parle de ses vignes. Elle en prend soin comme de ses enfants. Adepte de la biodynamie depuis la création de son domaine en 1988, Lalou délaisse par exemple la technique du rognage afin de renforcer l'immunité de la plante. C'est une liane, la vigne c'est une liane. Alors l'apprivoiser d'accord, mais la garder quand même avec des vrilles qui savent s'accrocher partout et pas la rogner et l'estropier. Les petits raisins sont beaux, regardez, ils sont jolis. Voilà, c'est ces petits raisins qui font le meilleur vin, c'est pas les gros raisins. On perçoit déjà le vin comme il sera. Lalou prodigue à sa terre et ses pieds de vigne des soins dont elle a le secret. Aucun pesticide, aucun herbicide, que des composts, des préparations biodynamiques et des tisanes pulvérisées à même le dos par de vaillants employés. Lalou nous invite à découvrir une pièce inhabituelle chez un vigneron, son officine. Derrière, eh bien, ce sont toutes mes tisanes, mes décoctions, enfin, les plantes qui me servent tout au long de l'année. L'origan, qui est comme ça, c'est le futur antibiotique, lorsque nos antibiotiques ne marcheront plus, pourquoi c'est l'origan. Pourquoi c'est... Parce que c'est très antibactérien. Moi, j'en prends tout le temps aussi. J'ai de l'asthme, mais j'en prends tout le temps. Ça me fait du bien. Du reste, j'essaie tout sur moi avant. Comme ça, j'ai... La rhubarbe, très, très efficace contre tout ce qui est champignons. Donc, les attaques de mildiou, odium, black rot, c'est extraordinaire. Romarin, quand il fait froid, quand ils ont un coup de chaud. On leur donne des forces de vie. On les empêche d'être malades et on les renforce et on les veut belles, on les veut jolies et heureuses. Voilà. Allez, bébé. On vous le disait, Lalou est un personnage iconoclaste. Ses collaborateurs, dont Frédéric, le plus proche, doivent composer avec un caractère bien trempé. C'est mal fagoté. Et nous vous m'obligez à tout arranger. Il est où le fret ? Il voilà encore un conscrit là. Quand est-ce qu'elle vient, Katia, petit Fred ? Fred, viens voir, il faut que tu viennes m'aider. Fred, viens voir m'aider. Regarde-moi ça. Tu vois bien qu'elle elle souffre celle-là. Et puis elle est croisée, tout ce que j'aime pas. C'est croisé, c'est natté. Faudrait pas m'emmener trop loin dans mes vignes parce que je vais être emmerdeuse. Pardon.
Nous avons eu, nous aussi, droit à notre lot de remarques. Bon, on y va, ils arrivent. Ah, mais non, ils continuent toujours. Il faudrait qu'ils se dépêchent, quand même. Enfin. Mais à l'image de ces vins, la Loubise le roi sait aussi se rendre séduisante et généreuse. Mais moi, j'ai de la chance que d'abord, j'ai Fred, qui comprend, puis qui m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis quand même, qui est avec les gars et qui les encourage quand ça va pas. Parce que bon... Vous voulez que ça vienne de lui ? Ben oui, quand je suis pas très patiente non plus, des fois. Je vous ai préparé un bon coq. Un bon coq au vin, et puis ouais, on va bien manger. J'ai tout préparé, tout est prêt. Bon, où est Fred ? Nine, tu vas pas dans l'eau. À l'heure du déjeuner, nous avons donc goûté ce fameux coq au vin, vin du domaine, bien sûr. Énième moment d'authenticité. Une pâte, bien. Parfait. Tu bois de la sauce parce qu'elle est bonne, ma sauce. Je te jure qu'elle est bonne. Vous voyez comment ces deux grands crus sont bien vivants. C'est magique. Ça, c'est pareil. Cette intimité que nous avons eu le privilège de partager, nous avons voulu la graver lors d'une conversation improvisée pour connaître les motivations de celle que l'on peut aujourd'hui considérer comme un véritable trésor vivant. Viens mon bébé, viens. Venez, je vous aime, mes amours. J'ai été baptisée, un quart d'heure après ma naissance, mon père m'a mis sur les lèvres, bien sûr je ne me rappelle plus, quelques gouttes de Musigny 29. Donc je suis née dans le vin. J'ai aimé le vin, j'ai été élevée dans le respect du vin, dans l'amour du vin. Sans mon père, j'aurais rien pu faire, parce que mon père était extraordinaire. D'abord, de me laisser faire une gamine de 23 ans... Lalou nous confie qu'elle a travaillé pendant 30 ans aux côtés de ce père qu'elle vénère, négociant en vin et copropriétaire du domaine de la Romanée-Conti, jusqu'à ce qu'elle décide de constituer son propre domaine. Ce que je savais, c'est que je voulais produire des vins tels que je les rêvais depuis toujours, tels que je les ai cherchés tout au long de ma carrière. Un vin, ça reflète son village, les habitants du village, le passé du village. Et voilà. Le vin est le miroir de l'homme. Tout à fait. C'est ça. Avec son humilité paysanne, la Loubise le roi n'aimerait certainement pas contempler ses vins. Elle y verrait pourtant de véritables chefs-d'œuvre que le monde entier brûle de déguster. Toutes mes dégustations ont toujours été à la gloire de la Bourgogne. Pas forcément à la gloire de le roi, à la gloire de la Bourgogne. Vraiment. Vraiment. Parce que c'est énorme. Je me rends bien compte que c'est énorme comme patrimoine. Modeste en superficie, ce patrimoine viticole de Bourgogne est effectivement énorme en prestige et en histoire. En témoigne le château du Clos de Vougeot, bien sûr, l'abbaye de Citeaux, le palais des ducs de Bourgogne à Dijon, ou encore les hospices de Beaune, dont les illustres ventes aux enchères rassemblent les touristes et amateurs de vin du monde entier. Vin mythique, château extraordinaire, la main de l'homme a façonné des trésors inestimables que le monde entier nous envie. La main de l'homme, bien sûr, mais aussi cette terre. Une terre nourricière qui, ici, à Château d'Yquem, comme dans tous les autres domaines que nous avons eu la chance de découvrir aujourd'hui, est certainement le trésor le plus précieux. Ce patrimoine exceptionnel du vignoble français nous a été légué il y a des siècles. Il nous appartient donc de le cultiver et de le protéger pour que jamais ne disparaissent ses trésors.